superficie d'un hectare environ. L'objectif, c'est de poursuivre cette campagne de reboisement, mais surtout d'avoir un espace délimité, sécurisé, dans lequel planter et pouvoir assurer l'entretien des plants qu'on met en terre, pour que justement le reboisement soit effectif, pour que cela ne soit pas un coup d'un jour, mais que ça soit continuel sur toute l'année en termes d'entretien, en termes de suivi. Les plants qui ont été mis en terre aujourd'hui sont mis en terre par le personnel de la primature, accompagnés massivement par les populations locales. Et nous tenons à leur adresser nos sincères remerciements pour la qualité de l'accueil et la qualité de la mobilisation qui nous rassure sur le fait qu'ils ont très bien compris le message du chef de l'État, ils ont très bien compris le message du gouvernement et qu'à ce rythme-là, nous n'avons pas de doute sur le fait que nous allons atteindre les objectifs fixés par le président de la République, son Excellence Faure Essoizine Nanya Simbé. La direction régionale, après ce reboisement, s'engage à faire le suivi et à faire en sorte que les plants puissent résister pendant la période de la saison sèche, puissent résister pendant les feux qui seront mis en saison sèche. Donc nous ferons un suivi avec le directeur de l'école et l'ensemble des élèves qui vont reprendre en septembre. Hey.